sont jetés alors que Catherine Soukaz est restée légèrement coincée dans les starting blocks. Alors on va un peu voir comment ça va se dégager là-bas avec notamment Juno Emily. Le club de Solon est monté très haut dans le premier virage pour lancer et c'est Solon qui est en tête avec Emily Juno. Ouais, on assiste à un bagarre, une chute s'est produite pour la deuxième position avec Marol, Malmalory, Urbani, Victor Derani. Elle occupe bien la deuxième position, la plaque 7 contre 7. Le magnifique pro de Bollier Vendeur. Elle vient de prendre le reste de la troisième position, mais Emily Juno, elle s'est pas posée de questions. Position va revenir donc à Mallory, Urbani.